Oh, coucou les loulous, alors du coup, après le gazage de la fête foraine, on est parti vraiment à l'extérieur de Nantes. Ça évitera que ça se reproduise une deuxième fois, sachant que de toute façon, on a voulu repartir de l'autre côté et on s'est fait gazer direct. On a fini par retrouver une petite rue où on pouvait partir. Et du coup, on a pris vraiment l'option de sortir de Nantes. On reste dans Nantes, mais plus dans le centre-ville. Ça évitera vraiment les soucis de gazage d'enfants et tout ce qui s'est passé tout à l'heure. Par contre, je sais pas du tout où on est. S'il y a des gens qui veulent nous retrouver là, je peux pas vous guider parce que je sais pas où on est et je sais pas où on va. Voilà, voilà. De toute façon, on est suivi puisqu'il y a l'hélicoptère qui est au-dessus de nous. Le cortège suit, ça va. Je sais pas si vous mettez des commentaires, je vois plus du tout les commentaires. Je vois juste que les gens qui se connectent. On est au gymnase Gaston Turpin à Nantes. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous pouvez toujours le faire. Il pleut plus, c'est bon. La vidéo est penchée, bah mince, j'essaye d'être droite. Après, je filme pas les gilets jaunes parce que je veux pas que ma vidéo serve de preuve pour quoi que ce soit. Ouais, t'inquiète, Saïd, on est unis. On a un cortège qui est bien paqué, on s'est pas fait diviser pour l'instant. On est encore tous là. Je sais pas si vous entendez les gyrophares. Je vois plus rien. Toujours les mêmes devant, putain. Voilà. Ouais, c'est bon, c'est bon. Tu veux tirer du mallette? Oui. Ah, c'est bon. Ouais. Ouais. Je vais vous montrer.
Ferme les yeux. Attends, je vais te mettre du sérum. Lève la tête. Lève la tête. Bon, rangez votre téléphone. Non. On avance d'un côté ou de l'autre. Mec, tu veux un peu de... Ferme les yeux. On est bloqué. Arrêtez. On fait rien de mal. Les gars, on fait rien de mal. On manifeste pacifistement. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Reculez. On recule, mais nous... Recule. Recule, putain, recule. Baisse-toi, LBD. Arrête de me pousser. Recule. Arrêtez. Arrête. Arrêtez avec la haine, là. Allez, putain! Oh, putain, tu me tapes, toi! Arrête, putain! Ah, putain! On est bloqué, putain! Ah, putain, la vache! Tu veux du sérum de pique? Il m'a déglingué! Il m'a traqué! Viens. Vous allez, ça pique? Attendez! Non, c'est le coup de matraque! Putain, le mec, j'ai dit arrête, on est pacifiste! Il m'a un coup de matraque, j'ai dit mais putain, pourquoi tu me tapes? Il me remet des coups de matraque, je suis t'es con quoi! On est coincé dans une rue, regardez! On est coincé.
Vous parquez les gens comme des animaux. Elle est où la liberté de forêt? Suivez le live, venez, venez nous aider s'il vous plaît. Vous êtes une bande de lâches, tout le monde vous déteste, mais vos enfants, c'est n'importe quoi. Et on n'a pas peur de vous, on viendra samedi prochain. Ça vous excite. Calmez-vous, vous avez vu ce que vous venez de nous faire. Mais on sait pas où on est. Putain, c'est lui. C'est lui, c'est lui, c'est lui. S'il m'attrape, rentre dedans. C'est pas moi de vous matraquer, ok? On en a marre. T'as filmé ou pas? Ouais. J'ai filmé quand il t'a tapé dessus. La prochaine fois que vous nous matraquez, on vous rentre dedans. Vous avez compris? Ah, plus de pouvoir. Là, c'est parce que vous avez laissé à l'aise. Vous êtes en train de provoquer les choses. Salut. Là pas ouf. Je vais regarder mon bras après mais. Vous vous sentez puissant mais vous avez rien dans le crâne. Et vous les CRS, vous êtes complices de cette bavure. Retournez chez vous, mettez-vous à l'arrêt maladie. Pas de chien de la casse. On a rien à foutre. Non mais il vient de se faire matraquer, je comprends. C'est des gendarmes mobiles, c'est eux qui balancent les grilles au pied des gens. Donc je suis désolé, c'est tout, c'est exactement comme la vague. Pour ceux qui viennent nous rejoindre, on s'est fait prendre un sandwich dans une impasse. Et ils nous ont matraqué, ils nous ont balancé des guignes au pied. Ils ont pété. Attends, attends. Ça, c'est avec la matraque. Oh, je suis pas une faible. Vous gardez les autres. Donc ils nous ont c'est toi le fragile. Ils nous ont défoncé à coups de matraque. Là ils ont balancé des encerclements et tout le bordel. Mais il faudra dire merci. Que je suis plus là, je dégage aussi. Je sais pas dans quelle rue on est. On est à Nantes. Je sais pas quelle heure il est non plus. Franchement, putain, je peux plus bouger mon bras. Quoi. Celui-là. Hein? Non, mais je regarderai après. Bah, attends, c'est sorti. Ouais. Tiens-moi mon portable, s'il te plaît. Ah, merde, ça va? Ouais, bah là, on est dans la nasse, on est dans le fond du cul-de-sac, toi.
Et on sait pas bien ce qu'ils veulent. Là, je pense que là, ils commencent à en faire sortir quelques-uns en les fouillant. Johan. Ok. Lyon. Ah, je filme. Là, c'est les coups de matraque. J'en ai dans le dos aussi. La grenade balance à l'option. Ouais, filme ça, filme ça, donc. Voilà, voilà la démocratie. Voilà Castaner. Voilà. Tout à l'heure, ils ont cassé l'objectif d'un ami. Ils nous frappent dessus, ils frappent sur les femmes. Aucune dignité. Aucune dignité. Vas-y! Il va falloir un paquet, hein, je suis pas sûr. Ouais, déjà faut lire la notice. Quoi? Ah, y a des dessins? Là, on est dans un cul-de-sac. Il y a des couleurs? Ouais. Allez, on leur donne des crayons. Voilà, les bacs commencent à reculer, j'ai l'impression. Il y avait à droite de la place, à gauche de la place. Parce qu'il y a des gens blessés qui n'ont pas été prêts. Il n'y a pas de problème avec la main. Non, mais t'inquiète, ça ne sert à rien. Mais en fait, on va tous sortir là, c'est pas lui en bas là. Tout le monde sort et c'est tout. Ah putain, mais merde. Ouais, mais si j'ouvre Google, je ferme mon live. Quelqu'un peut ouvrir Google, peut me dire exactement où on est, s'il vous plaît. Amenez la personne qui est blessée. S'il y a des gens qui sont blessés, ou pas bien, passez en premier. Ok, je me suis lentille, merci. Laissez passer les enfants, les banderoles, on les produira. Eh, une balance, t'as banderole partout. Sous la banderole. L'avenue Potrel. L'avenue Potrel à Nantes. On est à l'avenue Potrel à Nantes. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on s'est fait guider par la BAC. On s'est fait guider par la BAC dans une petite rue. On s'est fait matraquer, balancer des glis aux pieds. La crimo et tout le bordel. Attends, je reviens. Ah ouais, là c'est hyper chaud. C'est à toi? C'est à toi. Ouais. On parle à d'art. On parle à la barbure immobile. J'arrive. Quelle heure il est? Hein? Moi aussi? Ouais. Julien, elle est où? Je sais pas. Yves, il est où? Je peux pas tourner le téléphone. Sonia, elle était derrière. Ouais, mais elle a fait la tête, elle était prise. Ouais, ça va passer. Putain, je comprends pas pourquoi vous êtes de travers, je tiens droit à mon téléphone. Arrêtez! Non mais c'est un flic, il faut dire là. C'est bon ou pas? On va se faire défoncer là. Ça sert à rien, on est niqué là. Mais c'est quoi ce truc? On sort un par un en fait. Attendez. Ok, merci. Non, je suis désolée moi, c'est hors de question. Rue Potrel. Seb, envoie un texto à mon frère, s'il te plaît. On peut faire quoi que ce soit, il faut trop bien nous laisser sortir. Ça donne envie de cacher. Le 9 juin 2016, vous avez été obligé de faire. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Ouais, Potrel, c'est ça. Est-ce qu'il est dans le bon sens, à mon téléphone? Rue Potrel. Rue Potrel, juste derrière Guerre. Vous envoyez un message pour prévenir. Et on est dans les téléphones. Attention, moi, il est là. J'ai porté place. Non, non, je me suis fait matraquer au niveau du dos et du bras. Mais le dos, ça va. Bah, dos, fesses, bras, en fait.
Au niveau du dos, ça va, des fesses, ça va, mais le bras, j'ai super mal. Sonia, elle est là-bas. Sinon, les autres sont derrière. Vous avez, vous avez mangé cher, là, tout à l'heure. Moi, j'étais là, ça allait, le vent était comme ça. Non, on a tout pris. En fait, on n'imagine pas. Ah ouais, ok. Ouais, ouais, on est lassés, regardez. J'hésite. Et ils attendent quoi, là, en fait? On attend quoi? C'est quoi? Ils sont en train de nous faire passer un par un. Ça va? Fesse, dos et avant-bras. Mais c'est l'avant-bras là, j'ai hyper mal. Ouais, t'as pris un coup de bras. Bah, t'as pris un coup de bras. Non, mais là, ils tapaient comme des malades dehors. Ah, mais moi, c'est gonflé là. Il y a des petits lamas, on lui a dit de mettre une bombe de froid, mais. Elle est pas là, elle est comme Mélo, elle est en l'air. Il y en a qui ont réussi à sortir là, par les jardins. Il y a du malin si tu veux, mec. Non, j'ai arrêté ça. Trop fort. Que le samedi. J'ai pris coup de matraque dans le dos, dans les fesses et sur l'avant-bras. Le dos et l'avant-bras, ça va. Par contre, le bras, franchement, ça fait mal. Mais ça va, tranquille. Tout va bien. Moi, j'étais le week-end, je travaille pas demain. Moi aussi, j'ai honte. En ce qui compte, c'est de se faire arrêter le plus tôt possible pour que les 24 heures s'arrivent. C'est pas encore l'heure de la key hour dans les bars. Il est 4 heures. Large. Filmez, monsieur. Filmez. Non, je vais pas faire voir mes fesses. Les fesses vont bien. C'est bon, Isabelle, merci. Il a été envoyé déjà. On est une centaine dedans. Moi, tout a été filmé aussi. Et le monsieur qui vous dit, c'est pareil, il a filmé. Il a filmé, il a filmé. Ah, vache. C'est bon, vous avez gagné, là. Non, 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 il n'y a pas d'issue. On est dans une impasse, en fait. C'est des bâtiments. Là, je pense qu'ils envoient du monde pour nous arrêter, hein. Clairement. Ça pue du cul. Ouais, je vérifierai plus tard pour le bras. Ne vous inquiétez pas. Je sais pas ce que j'ai filmé quand on a pris des coups de matraque ou quoi, qu'est-ce. Je sais pas si j'ai filmé le mec qui m'a traqué ou pas, je sais pas. Ouais, bah, ça reste là. C'est un plaisir, on est tous ensemble. Dans la même berge. C'est un chaud comme les pingouins. Gilets jaunes, quel est votre métier? Aou! 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 Mais sous ta mère! Gilets jaunes, quel est votre métier? Aou! 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 Votre pouvoir d'achat, il est aussi élevé que ça à vous? Oui, ils sont des primes de fin de mois. Quand ouais, je suis désolée. Pour outrage, ces pauvres petits chéris. J'ai fait voir mon bras tout à l'heure, je peux pas me redétroquer. Attends. Je sais pas, on voit si on voit. Ça va? Ça, j'arrive pas à faire focus. Ouais, ouais. Ouais, on voit pas sur le live. C'est gonflé et c'est rouge. Là, je sais pas si vous voyez où il y a la boule. Mais le téléphone fait tellement bien son travail qu'on voit pas la marque. Ouais, t'inquiète. Bah, je sais pas. Ah, mais c'est. Viens là. Bah, mais on est dans une impasse. Sparadrap, s'il te plaît. Attends, faut que je prenne une photo pour t'habiller du frein. Je relâche, c'est blessé. Allez, vite. Ouais, mais on voit pas grand chose. On peut pas se barrer en fait. On est vraiment dans une impasse. Bah elle est là aussi. Ça va? Le rue Potrel. On fait une petite bombe du coup. Moi gentille, hein.
Tu me dis si je serre trop fort. Non. Ouais, mais ça va te faire du bien. Alors le voisin, il a pas c'est pas gentil, hein. Ah bon? Ah non, le vieux là. Tu peux l'enlever dès que tu sens qu'elle est trop froide, tu l'enlèves. Qu'est-ce que vous foutez dans cette rue, bah? Il n'y a pas tellement de choix. Du tourisme. Deux personnes qui viennent chez ça. Non, non, on est dans une impasse. Pour plaisir de venir dans une impasse. Bah surtout si c'est ça pour dire qu'il y en a. S'il te plaît, Mélo. Ouais, c'est quand l'apéro? Matraque. Matraque. Bras, dos et tout. Mélo aussi, s'il te plaît, à la prise. Un autre? Ah bah moi, c'est celui aussi. Ah bah oui, c'est bon. Tu l'as ou c'est pas du prends? Allô? Ouais, c'est Lolita. Est-ce ouais, qu'il y a d'autres personnes qui ont mal quelque part, qui ont pris des coups de matraque ou de la désencerclante dans les pattes et qui ont mal? Bah non, moi, j'ai mal à la face, on est... France me pique. C'est pas des coups de matraque qui vont nous arrêter. Par contre, si tu peux me garder ça, ça serait bien. Non, on peut pas. Un passe Saint-Charles. Ah mais bon, les rues poutrelles. Ouais, puis ils enlèvent les masques et les lunettes. Hein? Matraque. Ouais, ouais, va falloir qu'on donne tout le matos, ouais. Super. Ils ont regardé, on est rue Poutrelles, ils ont dit. Sûr que ça va. Franchement. Ah. Bah il y a les CRS et derrière il y a la BAC en fait. Je peux pas les filmer, je suis trop petite. Je sais pas si vous les voyez de là. C'est les BAC qu'on m'a traqué et qu'on balance. Il y en a là aussi. Il y a quoi? Ouais. Okay. Bah, ils vont nous attendre. D'accord. Oui. C'est chiant. On va quand même pas soumettre de nous-mêmes à notre identité et à une fouille. Il y a des mecs qui nous ont des filles et des ouais, d'accord. De toute façon, j'ai pas de carte d'identité. Ah ouais. On peut pas le planquer. Il fouille le dessous des voitures et tout après. Oui. Il fouille pas bien. Ah non. On peut essayer de frapper aux portes. Non, je vais pas monter sur la voiture, je vais l'abîmer. Non, t'inquiète, moi je donne pas mon code PIN de quoi que ce soit. Rue Poutrelles, et c'est à l'impasse Saint-Charles. Si, 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 on est dans une issue. Ah, ça, c'est une issue. Voilà. Ils fouillent dans les voitures en fait, une fois qu'on va tous être évacués. Donc on peut rien planquer en fait. Là il y a quelqu'un qui est parti voir si on peut planquer des trucs chez les gens, mais ça sera leur bon vouloir. Putain, sur le serpent là.
C'est beau le modernisme. J'en sais rien, je vais vous faire voir. Mais l'autre film ça. Ouais, ouais, j'ai filmé tout à l'heure. Mais je le filmais quand il a pris les coups. Je sais pas, c'est rue Potrel, normalement, et c'est l'impasse Charles. Je sais plus comment s'appelle le nom de l'impasse. Ils prennent le matos des médics. Non, on est plus que 25 à 30 ans, beaucoup plus. Une centaine. On est une centaine, ouais. Alors, on s'est fait énormément gazer et mis en fait dans une impasse. Bon, là, du coup, on est avec les CRS et la BAC. On s'est fait matraquer, ils ont balancé des glis au pied, donc il y a plusieurs blessés au niveau des jambes à cause des glis. Et là, du coup, ils nous tiennent en as et ils sont en train de faire des contrôles d'identité pour chaque personne avec reprise du matos. Et moi perso j'ai pas de carte d'identité donc là ça va poser un problème déjà. Je sais pas quoi ils font. Merde. On a essayé de faire une avancée, ils ont balancé des glis dans les gens, hein. Juste pour info, il y a des blessés à cause de ça. On a fait une poussée et c'est parti en couille direct. On ne peut pas avancer, ils nous balancent des glis, ils ont les LBD à la main. Je sais pas si vous avez vu quand j'ai filmé, le mec m'a pointé le LBD sur la tête. Avant de m'attraquer. D'ailleurs, j'espère que j'ai filmé ça. Parce qu'il y a le mec qui m'a mis le LBD là. Il m'a dit avance putain. Et après son pote, il est venu, il m'a foutu une matraque. Bah, je filmais, mais je sais pas ce que je filmais justement. Hein? Oui. Oui, bien sûr. On est nassé dans une impasse et tenue par des CRS et des baqueux qui nous ont matraqué, balancé des glis et qui, si on bouge, en fait, ils nous mettent le LBD sur la tronche. En gros. Eux, ils sont deux escadrons de CRS faciles et. Il y en a un au bout aussi, et après il y a beaucoup de baqueux en fait, et c'est surtout les baqueux le problème, clairement. Je sais pas ce qu'ils font là, ils sont en train de faire des contrôles d'identité, ils fouillent, ils récupèrent le matos. Personne n'a vu que c'était une impasse. Bah moi j'ai pas vu quand t'es arrivé ici. Ouais. Ah mais tu veux, il y avait déjà le troupeau qui arrivait derrière, ouais, bah. Là, là-bas. De toute façon, on s'est fait chercher des deux côtés, on s'est fait chercher par l'arrière, on s'est fait chercher par le devant. Oui, bah oui, c'est sûr. Bah normalement c'est au début de ce live là, oui, parce que j'ai filmé. Ça doit être au bout de à peine 5 minutes. Parce que j'ai filmé du gazage jusqu'à ce qu'on en soit là. Alors soit j'arrête le live, comme ça vous pouvez revoir la rediffusion de ce qui s'est passé. Soit je continue mon live et puis vous verrez plus tard. Merci Bob, c'est cool. Après le gazage de la fête foraine, bah, putain, j'ai fait que deux vidéos aujourd'hui, c'est le gazage de la fête foraine et le massage. Ne pas fouiller les poches, hein. Mais il n'y a que des mecs les filles, il n'y a que des mecs en face. Il y a une fille, ouais, bah elle me tripote, alors là ça va pas le faire. Non, ils ont essayé de demander aux habitants si on pouvait cacher des trucs chez eux, ils veulent pas.
pas de soutien des gilets jaunes. Ok, ça marche en fait. J'appelle mon père après en sens. Je peux passer ma poche, moi, si tu veux. Ça va mieux. Non, garde-la. Surtout que, franchement, tiens, attends, laisse-moi aller, parce que c'est eux là qui nous ont matraqué. Franchement, ils ont rien fait. J'ai dit, ça se fait recharger par 30-40 personnes. Moi, j'ai une question. Ouais, et avant, pourquoi vous nous avez matraqué? Je ne peux pas parler. Je peux parler avec monsieur. J'aime pas cette façon de parler agressif tout de suite. Excuse-moi, je viens de prendre 4 coups de main. Ne m'agressez pas tout de suite. Si vous m'agressez, je vous parle pas. S'il te plaît. Si vous parlez gentiment, vous messieurs, je parle. Si vous m'agressez tout de suite, je ne vous agresse pas. J'ai la voix qui porte. Si messieurs m'ont parlé, pas gentiment sans m'agresser. Je leur réponds. Si vous m'agressez, je ne vous réponds pas. Alors, je ne vous agresse pas. Mais d'accord, mais... Bonjour, monsieur. Voilà. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? La discussion, c'est une réciprocité. Si on vous agresse, je réponds. Ah non, je comprends. Bonjour, vous allez bien? Non, mais c'est mieux, c'est mieux. C'est fini, c'est fini. Oh. Entre l'hypocrisie et l'ironie, c'est bon. Eh, vous êtes vachement susceptible quand même, sans déconner. Pourtant, c'est moi qui devrais être susceptible après les coups de matraque que je viens de prendre, sans déconner. C'est vraiment des connards. Parce que le mec, je lui pose une question, il m'envoie chier en mode « T'es trop agressive !» Bah oui, tu viens de me foutre des coups de matraque, connard, forcément que je suis agressive. Putain. Sérieux? 2-1, ils nous tapent dessus et en plus, on devrait leur sucer le cul, quoi. Énorme. Non, pas de nouvelles de la fête foraine. Non mais j'ai l'habitude, ils veulent jamais causer avec moi bizarrement là-bas. Je sais pas pourquoi, ils m'aiment pas je crois. À chaque fois que je veux leur parler, ils veulent pas me parler. Je pense qu'ils sont sexistes, ils n'aiment pas les femmes. C'est même pas la peine d'essayer de leur parler, ils sont trop cons pour ça. Non, moi je suis trop agressive apparemment. Je lui ai dit, ah bon c'est moi l'agressive? Ah ouais, il est susceptible. En fait, les mecs, ils nous tapent dessus et puis après, il faut leur dire « Bonjour messieurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien aujourd'hui. » Non, non, il faut qu'on sorte avant. Non, mais il faut qu'on sorte au milieu. Pas à la fin non plus. Surtout pour nos gueules. Qu'est-ce qu'on fait? On sort là ou quoi? Juju? Ouais, ouais, on va sortir. Tu sais qu'elle est sur ses clopes. C'est le côté là, regarde, il y en a deux. C'est les plus cons depuis tout à l'heure, ils nous matent. Ah non, moi je passe pas. Moi je passe pas. Ah, c'est de là, là, tu les prends pas. C'est les pires. Ouais, ouais, non, mais je vais arrêter. De toute façon, ça... toutes les semaines j'essaye de leur parler. Et... les mecs, ils sont trop cons pour comprendre. Par contre, là, moi je suis. Hervé! Hervé de la BAC! Hervé de la BAC! C'est pas Sébastien de la BAC? Oh, bien! Bah, c'était marqué sur le mur, hein. J'ai pas de mérite. Hein. Oh la vache! Moi perso, non, j'ai pas de vidéo.